Alors, c'est un chevreuil qui a été tiré le 10 août 2013. Voilà. Voilà. Alors, il a été tiré dans le département du Nord. Donc on le met dans le département du Ah, Nord. c'est un chevreuil du Nord, Un oui. chevreuil du Nord. 5,8. Main gauche. C'est ce qu'on Ah oui. appelle une guide technique qu'ont tous les cotateurs de la FMT donc, et qui permet de se référer aux mêmes choses, qu'il y ait le moins de subjectivité possible. Ouais, parce Alors, si on n'a pas d'éléments de comparaison, j'imagine que ça Donc doit il y a des éléments de comparaison, notamment sous la forme de photos et en ce qui concerne des points dits de beauté. Donc la couleur, voyez, ça va de 0 à 4 points. Plus c'est sombre, plus il y a de points. Là, on est incontestablement dans la moyenne de 2,5-3. On va le mettre 2,5. Le grain, même chose. Toujours sur 4 points. Il est joli à l'intérieur. Oui, il est assez lisse extérieurement, ouais, mais à l'intérieur il est mais bien perdu. Là, il a des belles, oui. des belles perlures derrière, on va les mettre aussi 2,5. Les meules, même chose, vous voyez. Plus elles sont couronnes et épaisses, plus elles méritent de points. Ça va aussi jusqu'à 4. Là, on est même chose, hein. Je crois qu'on est à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire 2,5. Les pointes, enfin, les pointes sont magnifiques, c'est dommage que celles-là soient un petit peu courtes. Donc c'est sur 2 points, on va lui mettre 1,5. Régularité et qualité, il y a donc 3 points qui concernent la régularité et 2 autres sur la qualité des onduliers. Quand même, lui mettre 4 points, ou 3,5 points parce qu'il a un peu plus, 3,5 points. Il y a quand même toujours une toute petite part de subjectivité. Là. Oui. Mais il n'est pas fait. Deux mensurations qui font quasiment 70 à 80% des points de la cotation d'un brancard. Et c'est ce qui alimente souvent le débat. Alors, c'est ce qui alimente souvent le débat, parce que donc c'est le poids et le volume. Il y a deux manières de peser, soit avec un peson, soit avec une balance hydrostatique. Alors, il est à 500. Sans décote. Il est à 500. Sur ce poids brut, on va retirer un certain nombre de grammes selon la coupe de l'os du trophée. Mais c'est beaucoup plus beau de le présenter comme ça. Ça ne prête pas le flanc à la moindre contestation. Voilà, surtout quand c'est un grand chevreuil. Et puis on a une petite idée de son âge aussi avec la mâchoire supérieure. Coupe basse, crâne entier, déduire 65 à 90 grammes. Donc là aussi, il y a un petit côté subjectif. Hein. On va lui retirer 80 grammes. On arrive à l'opération la plus délicate, qui est donc maintenant la prise de volume. Et le volume, ça sera bien entendu le poids dans l'air moins le poids dans l'eau. Donc ça nous fait 150 cm cubes. 150 cm cubes. Les plus beaux brancards font jusqu'à 300. On a tout, on va faire l'addition. 115, 20. Donc pour le chevreuil, d'où qu'il vienne, vous voyez, Le seuil minimal de cotation qui donne le niveau bronze de la médaille. En France, on n'accorde pas de médaille, mais le niveau est le même, 105. Niveau de la médaille d'argent, 115. Niveau de la médaille d'or, 130. Mais c'est un beau brocard. Ah, ben celui-là, oui, je pense que. Un beau brocard. Très, très beau brocard.